Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un petit peu en avance. Dans la dernière vidéo de news, je vous avais dit deux jeux devaient arriver la semaine prochaine. Et finalement, la magie de Noël, la magie de Chronopost, ils m'ont livré en avance. Et ce jeu, on va découvrir ensemble, c'est, vous ne le devinez pas, Dice Throne Adventure. Donc Season 1 Reroll, Season 2, donc avec un mode aventure. Et je vais déballer les deux grosses boîtes, je ne connais pas le jeu de base. Donc ça c'est la première saison reprintée, Reroll. Et la saison 2. Qu'est-ce qu'on a dans le carton? On a d'autres choses. On a le mode aventure. Hein. Je ne sais pas si vous venez avec la saison 1. Il y a beaucoup de chips aujourd'hui. J'aime bien dans les KS les chips. C'est un peu mystérieux. C'est des grosses boîtes par contre. Et là, on a l'extension Adventures qui venait avec ces deux saisons refaites. Donc c'est un jeu compétitif mais qui se dote d'un mode coop. En regardant les mécaniques. Donc moi normalement je n'ai pas de figurines, j'ai gardé que les standees. J'ai pas voulu prendre des figurines. Je crois que les standees ça me suffisait. Donc là on a un set de promo aussi. On a d'autres choses dans la boîte que je ne vois pas. Oh. Encore un set de cartes promo. Donc là c'est le bonheur, c'est on espère rien oublier dans la boîte. C'est la pêche au poisson. C'est des cartes promo. Forcément, je vide ça dans une autre boîte pour être sûr de rien oublier. Mais alors, donc, on se trouve encore sur un KS énorme en proportion. Donc, la saison 1, la saison 2. Et l'aventure. Donc, j'ai pas beaucoup regardé de vidéos sur le jeu quand je l'ai pledgé. Le système avait l'air de me plaire. Le fait que ce soit qu'il y ait un mode aventure et donc un mode coop. A fait que j'ai backé celui-là, sinon j'aurais pas pris que pour le mode compétitif. Donc on va aller voir cette Season 1 Reworld. Qu'est-ce qu'elle contient? Donc les grosses boîtes, format vieux livre. Ça fait vraiment du gros bouquin quand même. Hein. Je suis pas sûr que ça garde encore son aspect libre avec cette taille-là. La saison 2 est tout aussi grosse, et l'autre aussi, la troisième boîte est énorme. Donc on est parti pour un petit unboxing qui ne devrait pas avoir de figurine, hein, puisque j'ai pas pris ces options là. Oh, donc on a façon Mythic Games que des, ça c'est cool aussi, hein, que des rangements. Ça c'est quand même appréciable. Chaque personnage a sa propre boîte. Waouh, c'est classe. C'est super classe, on a un paravent pour chaque personnage aussi, donc avec ses compétences. Alors c'est un peu spécial le paravent, parce qu'il ne se plie pas de la même façon dans les deux sens. C'est très spécial, il est plié, d'accord. Ça ne sert pas vraiment paravent en fait, c'est que c'est plié comme ça. Ok, c'est bien pour le rangement, je ne suis pas sûr que c'est bien à l'utilisation, parce que je pourrais pas le tordre de l'autre côté. C'est bizarre. Mais bon, peut-être qu'on a besoin que de ça. Donc normalement, je sais pas où sont les standees. Si elles sont ici là en dessous, si... ou pas. Donc on a une petite carte du personnage. Barbare. Les questions fréquentes, il y a une fac qui est intégrée à la fiche du personnage. Des effets dessus sur le personnage. Une petite roue qu'on n'a pas besoin de monter. Sûrement sur des points, bah, des points de combat, c'est marqué dessus. C'est marrant d'avoir fait la roue externe plus grande que la roue intérieure. Et les points de vie, puisqu'il y a Elf marqué dessus. Donc là c'est bien, on a la roue extérieure qui bouge bien. C'est déjà monté, on n'a pas besoin de le faire comme dans beaucoup de jeux. Donc il y a moins de punch à faire, il n'y en a pas du tout même. Un petit deck de cartes pour le personnage avec l'ordre du tour.
Il y a pas beaucoup... Je sais pas si toutes les cartes sont comme ça, je vais regarder un petit peu les cartes. Et évidemment, les dés associés à mon personnage. Et donc tout ça se range joyeusement dans la petite boîte ici. Pour le coup, je trouve ça très pratique de les avoir comme ça. Je pense que ça prend quand même de la place quand on a tout l'ensemble. Mais bon, ça permet de prendre un slot. Ah oui, les slots sont séparés. Je sais pas si vous voyez dans la boîte. Une boîte très bien faite, c'est que les slots sont séparés. Pas mal. C'est pas entassé comme ça. Et donc on a différents personnages qui arrivent. Je vais prendre un autre personnage pour les cartes. C'est très classe au niveau emballage. Hein. On a quand même l'impression qu'on peut sortir les boîtes directement et jouer automatiquement. Alors ce qui est intéressant, je ne vois pas encore, mais c'est donc Season 1, ok. Mais là j'ai que... Ok. Ah si, c'est ici qu'il y a le... Donc là, il nous précise, il y a une petite pub pour les miniatures. Et du coup, il y a quoi là-dedans? C'est les règles du jeu? Parce que je suis en train de chercher les règles du jeu, en fait. C'est bien. C'est super bien rangé. Mais comment je joue? Oh, les petits jetons à dépuncher quand même, pas beaucoup. Et si, voilà, on a les règles du jeu, version 2.2. Donc on se dit qu'elles sont quand même... Elles ont profité des premières versions, des facs, et ainsi de suite. Un petit livret, ça n'a pas l'air complexe. Hein, ça, du niveau de complexité de, du jeu, dont je ne me rappelle jamais le nom de Mythique. Beaucoup d'indications sur les effets, les types de dégâts, le tour de jeu... À voir ce que ça fait. Et donc une petite pub à l'intérieur pour les figurines. Ça veut dire que si vraiment j'en ai envie, je pourrais toujours les récupérer. Par contre, j'ai pas vu de standees. Du coup, je suis un peu étonné. Les sleeves, des plateaux de jeu en néoprène. Des pistes de dés. Et quelques tokens. Est-ce que les tokens s'enlèvent bien? Oui. Ah, ah, les petits ronds là. Pas mal. Ça va. Donc là on a des ninjas. Les illustrations sont vraiment très cool. Hein. Donc je suppose que, vu ce que je vois ici, je connais pas la mécanique de jeu, j'ai dû la voir il y a très longtemps. Mais voilà, on a des dés avec des actions et des combinaisons. Qu'on retrouve sur les cartes ici pour déclencher des effets, des pouvoirs. Alors tiens, on va prendre le paquet ici. Donc je ne vois pas de standees. Est-ce que c'est normal? Parce que du coup j'ai pas pris. C'est marrant ça. J'ai pas pris des miniatures. Parce que je me suis dit qu'il y avait des standees. Est-ce que j'ai fait une erreur? On va regarder les cartes. Les cartes en qualité, ça va, elles me paraissent plus étroites que d'habitude, que les cartes qu'on a habituellement. Je sais pas si j'ai une carte d'Altar Quest, tiens, à côté. Ah oui, le format de carte est particulier quand même, c'est-à-dire que les sleeves classiques vont pas aller bien. C'est une carte d'Altar Quest. Hop, on est sur du plus petit. Mais les cartes ont l'air plutôt simples à comprendre, il y a un peu de texte dessus, mais pas compliqué. Pas beaucoup d'illustrations, par contre. Donc sûrement un jeu de cartes au centre. Hein. C'est souvent ça pour les combats, pour les jeux compétitifs. Avec des petits effets sur chaque carte. Il y a des coups ici en point de... ce qu'on a vu tout à l'heure. Ou point de combat. Le timing des cartes, les cartes. Par contre, la qualité des cartes a l'air sympa. J'ai l'impression que c'est... Ah ouais, c'est toilé. Alors, c'est toilé. Ouais, il y a un aspect toilé sur les cartes. Hein. Donc, je pense qu'elles sont de bonne qualité. Pas sûr qu'elles nécessitent une sleeve. Je sais pas s'il y a beaucoup de remélange à faire des jeux de cartes.
Donc on verra ça. Je suppose que l'emplacement dans le plateau ici c'est pour mettre la figurine, je sais pas. Et éventuellement, on va peut-être pouvoir jouer avec le plateau pour notre personnage, avec un deck éventuellement il a des fausses. À voir. Ce qui serait une bonne surprise, c'est-à-dire qu'on pourrait, ça servirait de rangement et de plateau de jeu. Et ça, c'est cool. C'est bien quand l'ergonomie du jeu et le rangement sont pensés de façon globale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme personnage dans cette boîte? Ceux qui connaissent la version 1 doivent connaître déjà. J'imagine que c'est les mêmes. Les illustrations sont top. Là, on avait un ninja. On a un elfe de lune. Ou lunaire. Un paladin. Oui, c'est vraiment super classe. Hein. J'aime bien le design. Hein. Assez sympa. Un moine. Un elfe noir, ou un elfe des ombres. Hein. Très classe aussi. On a envie de tous les jouer là. Quand on voit le design des personnages, on a tous envie de les jouer. Pyromancien. Et enfin. Une sorte d'ent, un arbre, enfin c'est Groot. Donc voilà, donc là j'ai tout ça là-dedans, donc j'ai tous les personnages, j'ai la règle du jeu, je ne vois pas de standees, donc j'imagine que les standees ne sont pas utiles dans le jeu de base, mais uniquement pour le mode aventure, pour se positionner. C'est ce qui expliquerait qu'il n'y a pas de standees dans le jeu de base. Est-ce que je peux à ce moment-là comprendre ? Ça correctement avec la figure avec le barbare, c'est sympa le barbare aussi hein. Donc ça c'est la saison 1, très beau packaging, très très sympa. La saison 2, j'imagine qu'on va avoir des personnages supplémentaires, donc on va regarder ici. Voilà, la saison 2, on va se retrouver avec une brochette toute nouvelle. Un gunslinger, un samouraï, un tacticien, une chasseuse, une pirate maudite, un artificier, un séraphin et un lord vampire. On va les regarder, c'est plutôt rapide, je vais vous faire voir seulement, maintenant que vous savez comment constituer les boîtes, seulement les. Donc on est à nouveau pour la saison 2, qui doit être autonome, on va peut-être pouvoir jouer avec la boîte de saison 2 d'ailleurs. Donc si vous avez une préférence pour les personnages, ça permet de jouer l'un ou l'autre. Donc on va regarder les personnages en grand. Il y aura moins de reflets comme ça. Très très cool. Je comprends toujours pas le principe du paravent comme ça. Ah ouais, on laisse à plat peut-être devant soi, je sais pas. Je sais pas. Une explication sur la règle qui nous dit comment on met le paravent. Ah, il y a des tokens, il y a des nouveaux tokens aussi hein, dans la saison 2. Là, il y a de la pub. Ah, ils ont mis de la pub pour les différents composants. Hein. Quoi, une petite pub avec saison 1, saison 2 et le Dice Roll Adventures. Pour ceux qui n'ont pas vu. Alors là, il y en a ici, on est sur un Dice Roll version 2.1, c'est intéressant. Donc une version antérieure à la re-rolled. Donc on va se dire que la re-rolled va faire foi pour toutes les versions. C'est rigolo. Et peut-être que dans l'aventure, on aura une version 3, je ne sais pas. Donc ici... Ah, peut-être qu'on met ça devant soi, comme ça. Donc il n'y a pas le plateau ne sert pas... Le rangement ne sert pas pour jouer. Hein. On place son plateau à plat, donc ça explique. Et on met des cartes de chaque côté, et ainsi de suite. Bon. Donc c'est quand même pas mal. On met à chaque fois les cartes à l'envers. Donc chaque personnage a ses compétences, ses propres cartes, ses propres capacités à débloquer avec les dés. L'artificier. La pirate. Alors la pirate, c'est marrant celle-là, elle a pas de... Ah non, c'est une fiche en plus. Ah ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis celle-là sur la pirate. Ah, c'est parce qu'on voit pas le... Ah, pour la pirate. C'est un mode de jeu particulier pour la pirate.
Ah ouais, c'est pour ça. Ils ont mis ça pour c'est-à-dire ces personnages-là. Mais sinon, quand on ferme, on ne sait pas quel personnage c'est. Parce qu'il y a des compétences de chaque côté. Curse Pirate. Et on l'a comme ça aussi. Donc on a deux versions, ou une version qui doit peut-être changer de côté. Sympa. Alors pourquoi j'ai tout pris alors que je connais pas bien le jeu? Parce que forcément, quand on a un jeu avec des personnages. Fantasy Brawl, j'ai retrouvé le nom du jeu. Comme dans Fantasy Brawl, bah, ça offre une variété de personnages et de façons de jouer. Parce que c'est souvent ça, c'est qu'on a un type de jeu pour chaque type de personnage. Qui fait que. Ça est sympa la Huntress. Hein, qui fait qu'on va avoir. Bah, on va trouver son bonheur dans le style de jeu et dans les personnages. Que ça dans le style graphique, dans la façon de jouer avec. Chaque paravent a son. Sauf le Cursed Pirate, on a un dos comme ça. Et donc le jeu, on mettra ça comme ça et on jouera à côté. C'est pas mal. Les règles n'ont pas l'air épaisses, c'est plutôt rapide à apprendre et à jouer. Donc moi je le prends pas pour le mode compétitif, je vais avec mon fils, sauf quand il parle anglais correctement, tacticien. Le samouraï qui est très cool. Je vous fais voir sans les reflets, le samouraï. Ça fait du bien aussi un jeu sans figurine, non? On a déjà assez à part avec et la Gunslinger. Donc ça fait un look très, très BD. Pas manga, mais très BD. Enfin, ça dépend lesquels d'ailleurs. Mais BD que j'aime beaucoup. Ouais, pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et du coup, on va aller voir, maintenant qu'on a fait les deux saisons, donc c'est le cœur du jeu, hein, le jeu va s'articuler autour des personnages et des combats. On va aller voir ce mode aventure qui utilise le système du jeu pour servir une aventure et donc le rendre jouable en solo et en coop. Ça, c'est la boîte de la saison 2. Très jolie aussi. Je vais mettre des petits trucs dessus. Et après, on verra donc le mode aventure. Donc ici, on voit qu'on a des tuiles parce que c'est des tuiles d'exploration. Il y a des cartes de loot, il y a des cartes qu'on peut récupérer pour nos personnages. Alors je ne sais même pas si c'est un mode coop, vas-y 1 à 4. Voilà. Donc on choisit un personnage, n'importe lequel, et on va partir à l'exploration. Alors je ne pense pas que ce soit très narratif, je ne sais pas d'ailleurs. Hop! Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il indique qu'on a une vidéo tutoriel d'ailleurs, si on n'aime pas lire les règles. C'est quand même bien. C'est pas mal les vidéos pour avoir un aperçu et lire plus facilement les règles, parfois. Donc, tous les composants qui sont dedans. Là, il y en a un peu plus, il y en a, il y a tous les jetons. Oh, bah, il y a un rangement pour les cartes, visiblement, qui est prévu pendant la partie, hein, puisque la mise en place inclut ce petit insert, c'est génial. C'est bien pensé. C'est l'avantage d'avoir un mode aventure qui est fait après un jeu, parce qu'on le pense en disant ah, ok, comment ils vont se mettre les joueurs, comment ça va être pratique à jouer, l'ergonomie. C'est cool. Hein. Alors l'aire de jeu n'est pas super grande. Donc du coup, je pense que les standees vont être dans cette version-là. Est-ce qu'on les voit dans les composants? Ah si. Ici. 16 standees et 16 bases. Donc voilà, sinon vous pouvez acheter des figurines aussi à part. Vous avez 16 figurines supplémentaires. Étant donné que les figurines, c'est seulement pour se positionner sur l'exploration, je me suis dit que bon, c'était pas. Vu le type de tuile, je suis pas sûr que c'était super utile d'avoir des figurines. Mais même pour les jetons, hein, y a le truc de. Pour utiliser les jetons en même temps, pas besoin de prendre un insert externe. Ici, on a une fiche avec qu'on pourra copier, j'imagine. On peut faire une campagne. J'ai l'impression de découvrir le KS parce que ça fait longtemps hein, que je l'ai pledgé, c'est pour ça. Il s'en est passé du temps. Et des événements entre-temps. En tout cas, en termes de qualité, c'est très classe. Hein. Bon, les pubs pour les miniatures, c'est bon. On va. Alors, les cartes sleeves, finalement, on peut aussi avoir les sleeves pour les cartes avec les dos de personnages. C'est peut-être utile parce que finalement, c'est pas un format standard. On va voir quel format c'est. Mais bon,
Faut voir le nombre de fois où on va les mélanger ces cartes. Je trouve que ça sert à rien de se sliver quand on fait pas beaucoup de mélange. Mais... sauf si les cartes sont vraiment très fragiles. Donc là on a un paquet de pions et des standis qui vont avec. Ah bon, on va les regarder un petit peu. Sachant que le prochain jeu avec des standis... ah, West Knight, je sais pas s'il y a des standis ou des figurines. Il arrive lundi, West Knight, moi je serai pas là. Sauf si FedEx me livre avant que je parte. Mais donc je vous ferai de l'unboxing de West Knight mercredi ou jeudi. Donc ils sont là nos personnages. Alors c'est plutôt super simple. Hein. Et un peu à la manière de Dungeon Crusade. Et pas à la manière par exemple du... c'était quoi le dernier truc de donjon que j'avais pas trop aimé? Où les 110 étaient tous carrés. Alors qu'ils étaient prévus dans la campagne en étant comme ça. C'est sympa. Il y a la forme du personnage. On le reconnaît facilement. Et ça rend vraiment mieux dès qu'il y a la forme autour du dessin, je trouve. Ils se dépunchent super bien. On les reconnaît facilement. Ça suffira largement pour jouer. Le cœur du jeu n'est pas là. Il est dans les cartes. Alors, Alter Quest n'était pas proposé avec des standees, mais ça aurait pu être une solution sympa aussi. Parce que le cœur du jeu aussi dans Alter Quest est surtout sur les cartes. Même si je trouve qu'il balance quand même plutôt bien le... pourquoi je dépunche devant vous. Enfin, ça se dépunche très bien. Donc les autres standees, pas mal de jetons supplémentaires. Donc qui sont en plus des jetons des saisons 1 et 2. Et là, bah, les jetons qu'on va dépuncher, on va pouvoir les ranger directement dans la boîte. Et quand on se mettra à jouer, on sort ça. Et si ça vient facilement, c'est bien. Sinon, c'est dommage, ça va partir partout. Et voilà, on a un plateau prêt à être utilisé pour jouer. Génial. Setup rapide, franchement rapide. C'est toujours une super idée. Et ça, c'est du game très utile. Hein ? Fantasy Brawl, ça, c'est du game très utile. Ici, encore un petit game très pour mettre des cartes. On a des dés supplémentaires, donc ce sera les dés qui viennent en plus, j'imagine, pour jouer le jeu ou l'IA du jeu. Il y a du D20, il y a, oh là là, il y a du D20, du D6 spécial. Ça, en termes de matos, c'est assez fou hein, quand même. C'est assez fou. Et Dice Round, je crois qu'il doit être disponible, j'imagine, en boutique ou disponible à l'achat hors caisse, non? Et ici on a quoi? Ah, on a sûrement les ennemis qu'on va pouvoir rencontrer dans le jeu. Parce que ça représente de la même façon. Ah, ils sont recto verso. Ah, d'accord. Ah non, c'est les combats et les points de vie. C'est rigolo. Ah non, mais ça, en fait, je crois que j'ai deux. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, ici. Ah, j'ai l'or. Ça, c'est le compteur pour l'or. C'est pas mal, c'est que par contre, ces compteurs-là, on peut les réutiliser pour d'autres jeux. Hein. Shadow of Brimstone, pas mal. Donc ça, ici, on a des ennemis qui sont en double plateau, avec les points de combat d'un côté et la vie de l'autre. Alors, je regarde quelque chose. Bon, je sais pas s'ils sont, ils vont par deux en même temps. Bon, voilà, c'est fait pour les ennemis. Qui seront gérés par le jeu, je ne sais pas comment. Les petites bases pour les. Est-ce que ça rentre bien dessus sans abîmer la base? Et en plus, dans les boîtes de rangement, il y a marqué ce qu'il y a dedans, c'est formidable. Ici, c'est marqué au fond les standees, les miniatures et les autres. Voilà, ceux que vous avez miniatures, vous pouvez les mettre ici, c'est prévu pour les miniatures. C'est pas comme dans certains jeux où on vous dit que c'est prévu et puis en fait, il y a quelques trucs qui rentrent pas dans la boîte, des livrets de règles, des choses comme ça. Alors je rentre le standee, ils sont super bien ces standees là. Si on peut les acheter séparément quelque part, ce serait super. Ils ont une belle, ils ont une forme, ça n'abîme pas la base, ça tient bien. C'est top cette qualité de matériel. Hein. Top. Alors, encore une grosse boîte là, c'est quoi? Ça c'est pour le loot, j'imagine, le marché. Donc c'est souple, mais c'est résistant, hein, c'est un peu plastifié. Common, rare, epic, legendary, on va dire que ça c'est le loot, ou c'est le prix des équipements de loot. Pour identifier un objet, donc on va pouvoir découvrir des objets, mais qui ne seront pas identifiés, j'imagine. Là il y a un petit background. Une table de loot. Une table de boss. Et ça j'imagine que c'est les différents boss qu'on va pouvoir rencontrer. Un barbare déchu,
Un gunslinger déchu, ils sont tous déchus. Un moine déchu, pareil. Les moines, c'est catastrophe. Et le roi fou de Mad King. Et toujours une illustration très sympathique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire si vous aimez bien. Très très, ça donne envie quoi. On voit ça, ça. On rentre tout de suite. Ah, mais ils ont quand même. Ça veut dire qu'on peut les jouer en tant que personnage, peut-être en compétitif. Ils ont quand même un plateau. Deux joueurs. Donc potentiellement, même en compétitif, vous pourriez jouer les ennemis qu'on va rencontrer. À moins que ça serve pour mode aventure. On ne sait pas. Donc c'est aussi, on a aussi un rangement prévu pour ça. Alors, ce qui est, c'est quand même bien. Les rangements comme ça, c'est bien. Le désavantage, c'est que du coup, on s'est obligé de garder tout, parce que c'est prévu pour et c'est pratique, et qu'il n'y a pas, pas trop de perte de place, mais du coup, forcément, on se garde les trois grosses boîtes. Et les trois grosses boîtes, ça prend de la place. Ouais, bon. Okay, on va pas cracher là-dessus. Hein, même les dessus, ils sont différents selon les boîtes, c'est fou. C'est marqué Dice Throne dessus. C'est exceptionnellement bien foutu. Hein. Allez, on va attaquer la dernière boîte, et après, on refait un tour sur les promos. Voir ce qu'il y a dans les promos, elle est super lourde, il y a toutes les cartes là-dedans. Par contre, celle-là, il y a toutes les cartes et des séparateurs. Elle a les tuiles aussi. Et les tuiles. Donc ici, on a les tuiles. Ah, Legacy Pack, par contre. Mode campagne et mode Legacy, ça veut dire que je peux pas ouvrir le paquet tant qu'on me le dit pas de l'ouvrir. Ici, c'est pareil dans la boîte, c'est marqué qu'on rangera. Comment est-ce que ça se range? Les environnements ici. Les cartes de boss ici, tout est prévu, tout est. Il n'y a plus qu'à suivre, il n'y a plus qu'à jouer, il n'y a plus qu'à profiter, c'est génial. Quand on n'a pas cette partie de travail à faire sur un jeu, en termes d'organisation, parce que ça a été pensé en amont, et ben voilà, on profite. On profite du jeu et on a tous à peu près la même expérience de jeu aussi. Donc là c'est des tuiles, j'imagine, d'exploration, elles sont pas trop épaisses, mais ça suffit, elles sont. C'est pas de la carte. Hein. Donc. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations dessus. Ah, quand même, quelques-unes. Ah si, bah, c'est sympa. Hein. Il y a quand même un peu d'exploration dessus. Mais vous voyez que c'est plus schématique qu'autre chose. C'est pour ça que les figurines dessus, bon. Je n'étais pas convaincu que c'était. Ça fait 15 fois que je le répète, mais je n'étais pas convaincu que c'était utile d'avoir les figurines dans ce jeu-là. Sachant que du coup, on avait les standees avec les dessins et que c'était pas mal. Alors, on a un Legacy Pack A aussi. Il y a un Legacy Pack B, donc il y a beaucoup de cartes de Legacy. Donc, ça veut dire que la campagne, quand on va faire la campagne, on pourra. J'espère qu'il y a quand même des modes scénario uniques pour s'entraîner, surtout. Vous voyez là, il y a marqué scénario, c'est pour conserver les scénarios dans la campagne. C'est en carton épais. Ici, il y a des petits plans d'exploration, je ne sais pas. Hero Setup, conclusion. Donc, c'était les scénarios pour faire la campagne. Pour les jouer individuellement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Niveau 3, niveau 2, niveau 1. Donc on a différents niveaux. C'est la somme des intercalaires, un petit peu. Et ici, on a. Ah bah, c'est les cartes qu'on mettra sûrement dedans. Pour faire sa campagne ou ses aventures. Là, c'est pareil, je crois qu'il faut une illustration dans le même style qu'avant. On peut regarder ça. Et après. Ah si, il y a encore plein de choses dans la boîte. C'est fou ce matériel, hein. C'est un gros KS. Un gros KS. Je ne me rappelle même plus à combien je l'ai payé. Mais... Peut-être les ennemis qu'on va rencontrer au fur et à mesure, ou les rencontres qu'on peut faire. De différents niveaux, donc les monstres qu'on peut rencontrer. Et qui vont faire qu'on va utiliser le jeu pour combattre. Parce que quand on parle d'un jeu compétitif, et c'est super sympa les illustrations, non? Ouais, super cool. Vraiment un thème BD que j'aime beaucoup. Un style que j'aime beaucoup, là. Blackroot Elf, un chaman orc, un démon, un zélote, Lost Swordman, voilà, très classe, très 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 sympa. Et donc je suppose que ça c'est des intercalaires pour placer les cartes par niveau. C'est beau, c'est beau. Et il y en a donc les Legacy Packs, il y a les 4 packs, il y a ABCD, j'ai l'impression. Il y en a pour les tuiles, il y en a pour les cartes. Donc ça veut dire que ça viendra se révéler au fur et à mesure de la campagne.
Et ici, on a Dice One Adventure, donc des cartes. J'imagine que c'est des cartes de loot, ça. Parce qu'elles sont précisées. Ah non, mais c'est par boss, donc je sais pas. Peut-être les cartes de boss qu'on a vues tout à l'heure. Parce qu'elles ont chacun un dos différent en fonction du boss. Ici, on a quoi? On a boss versus boss, donc il y a des règles du jeu pour faire une bataille de boss, si on a envie. The Mad King. Et là, c'est encore des intercalaires, hein, pour les 4 boss. Il y a des intercalaires pour toutes les cartes. Pour le loot, pour les cartes, voilà. On a un intercalaire qu'on met dans la boîte. Qui est prévu. Ah là, c'est époustouflant. Époustouflant, regardez. La boîte, elle est faite, il y a des petits trucs comme ça, et je pense que ça va là-dedans et que ça tient. Voilà, ça bouge pas. L'intercalaire, même, lui, il va pas bouger. C'est pas beau quand même, ça? Et la boîte par-dessus vient à la bonne hauteur, j'imagine. On ne va pas se poser la question. C'est tout prévu, ça tombe nickel. C'est. Si on pouvait avoir ça dans tous les jeux. Ça serait cool. Il y a beaucoup de dungeon crawler où il y a beaucoup de cartes de loot et autres. Même AlterQuest, hein. Ils pourraient passer à ce niveau-là, je pense. Avec leur jeu maintenant. Ils ont fait pas mal de trucs, pas mal de jeux. Ils pourraient passer sur un niveau supérieur ou au moins l'avoir en stretch. Ce serait assez cool de pouvoir les avoir. Et qu'est-ce qu'il nous reste comme carte? Je suppose que c'est les cartes de loot, je ne sais pas. Bon, on retrouve des cartes. Vu que je ne sais pas comment on les utilise, je ne vais pas vous expliquer et vous faire voir les cartes. On a fait le tour. Alors, je voulais revenir sur les cartes qu'on avait. Parce que du coup, maintenant que j'ai vu un peu le matériel, qu'est-ce qu'on a comme carte promo? Ça correspond à quoi? Des cartes main phase cartes, des cartes de random. Ok, je vois pas à quoi ça sert. Et ici, c'est quoi? Donc ça, c'est les cartes promo de la saison 1. Cartes promo de la saison 2. Alors, il y a des main phase cards, je sais pas à quoi elles servent, et 8 randomizer cards. Et ici, on a DTA promo pack, 5 millions. Et ça, c'est pour Adventures. Donc, c'est un promo pack pour le Adventure. Donc, il y a 5 millions supplémentaires. Donc, les millions, c'est bien ceux qui ont les numéros ici. Hein, c'est des cartes qu'on a vues tout à l'heure. Il y a peut-être un boss dessus, sinon. Non, il n'y a pas de boss. Donc, les grandes cartes là, celles qu'on a vues tout à l'heure, c'est les cartes de millions. Celles-là. Donc, c'est bien celles qu'on va rencontrer en jeu au fur et à mesure de notre exploration. Et donc, il y en a en plus. Donc, 5 millions supplémentaires, c'est cool. Des lots de cartes en plus. Voilà, que demande le peuple? Eh bien, il demande d'avoir une présentation du jeu dès que j'aurai du temps. Donc là, on arrive à un moment où tout est compressé en termes d'arrivée de KS et de jeu. Donc, AlterQuest, je vous dois une vidéo. Je dois faire mon scénario 2, il faut que je le fasse avant tout le reste. Alliance. Ensuite, je vais avoir Dice Throne. Ensuite, je vais avoir West Knight qui va arriver et Dungeon Crusade qui doit arriver. Finalement, j'espère presque que Dungeon Crusade n'arrive qu'en janvier. Parce que là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai bien fait de faire une pause dans les caisses à un moment dans cette année pour éviter d'en avoir trop qui arrivent l'année prochaine. Déjà, avec ce qu'il y a ici, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, vous voyez, Dice Throne Adventure, c'est une pléthore de matériel de bonne qualité pour le gameplay, pas pour des groupes. Je pense que c'est vraiment dans le terme dans le gameplay. On a la règle de. Ah, oui, c'est ici qu'ils mettent le rangement. Ils expliquent tout ce que c'est. Bah, c'est formidable. Ça a l'air vraiment bien fait et pas compliqué. J'ai l'impression que c'est assez simple. Enfin, le boss battle, les cartes, conclusion. Il y a différents modes de jeu. Un boss contre plusieurs, donc on peut faire un contre plusieurs. Boss versus boss. Et le mode aventure. Et il présente comment on range les cartes dans le support. Eh bien, chapeau bas, hein, Roxley. Donc, Dice One Adventures. Bientôt sur la chaîne en explication. Enfin, bientôt. Laissez-moi le temps. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.